contente de vous reprendre aujourd'hui. Et on va commencer ce vlog avec un petit room tour de la chambre de Mila, parce que ça m'avait été redemandé, parce que sa chambre a énormément changé depuis le temps que je voulais pas montrer sur YouTube, ça c'est sûr. Et pareil, la chambre d'Owen a beaucoup changé aussi, donc je pense que si ça vous plaît, si cette vidéo aussi vous plaît, je vous le ferai sans doute version chambre d'Owen, n'hésitez pas à me dire. Pour commencer, sur la porte de Mila, il y a toujours le nom, et Owen d'ailleurs a le même, mais version Owen. Et quand vous entrez, tada, vous avez Mila et Owen. Alors, pour commencer, bah, juste à droite en rentrant, on a le bureau. Une de mes affaires préférées, c'est la map monde. La map monde qui peut s'allumer. Je sais pas si elle est. Non, elle est pas branchée là, mon chat. Attends, on va la brancher pour. Pour montrer. Attends. Hop là. Hop. Et hop. Voilà. Alors ici c'est ma tirelire. Oui. Elle est bien remplie déjà. Pas beaucoup parce que papa il a pris les pièces, il avait besoin de monnaie et il a remis des billets à la place. On a un petit miroir. Ouais. Alors ça c'est le mannequin écho. Ah oui ça. C'est encore une tirelire. Ça par contre j'ai rien dedans. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de tirelires dans la chambre de Mila. Alors. Il y a les matriarches. Oui. Je vais en prendre. Oui. Bon. Là j'ai mes perles. Ouais. Ici, c'est mon livre de mathématiques de l'école. Ah oui, qu'on a gardé parce qu'il est super bien pour faire des révisions. La patate en mer. Ça, c'est ton prénom. Et puis, ici, on a tous des crayons et des petits pinceaux. Mm-hmm. Avec ton joli mug Pikachu. Et mon joli mug, comment il s'appelle déjà le C'est pas Laura. Non. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas là. Bon, vous nous direz, je sais plus. C'est Pikachu. Du coup, on a mis deux chaises parce que souvent Owen il veut faire des dessins avec sa sœur, ils sont toujours à deux, donc voilà. Alors ensuite, on va passer là parce que Owen veut absolument prendre ça. Il s'appelle Baby Yoda. C'est Baby Yoda. Vous devez l'avoir vu dans une des vidéos. Tiens. Attends. Alors là, il y a plein de petites choses. Harry Potter. D'ailleurs, il est où? Ici, on a Harry Potter du bal. C'est lesquels tes préférés de personnages? Alors, pom pom pom. Ok. Pom pom. C'est qui ça? Ça, c'est Hermione du bal. Ah oui, c'est vrai. Et puis, on a aussi celle-ci, Hermione normale. Alors ça, non, ça c'est celle qui finit avec Harry Potter. Oui. C'est la sœur de Rod. Non, c'est la sœur de... Ron du oui. Bal. Et c'est bon. Ok, c'est des petits personnages en métal. Et on a chopé ça à Auchan. À Auchan. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais. On les avait eu à 50%, on a payé ça à 12 ou 13 euros. C'était pas ça, trop cher. Ça c'est trop beau. Ça c'est trop beau, c'est... Et ça, je vous présente ma boule de bain que... je veux dire, ma boule de neige que j'ai fait avec ma cousine. Elle l'a fabriquée avec un pot de Nutella. Oui, et on a mis des paillettes, etc. Ouais. Attention de ne pas le faire tomber, sinon oui. C'est foutu. C'est oui. Un souvenir de ma cousine. Arrête, Owen. Attends, je vais t'en donner un autre. Owen, donne. C'est compliqué de filmer avec Owen, hein. Tiens, voilà. Celle-là, elle est peut-être moins fragile. Mais tu joues que au-dessus du lit. Si elle tombe par terre, elle va casser. Oula. Alors, je vous montre. Alors, ici, on a mes deux baguettes, la fausse. D'accord. Et la vraie. Du film. La vraie du film. Bah oui, le monsieur il nous a dit que ça, c'était celle-là qu'ils ont utilisée dans le film. D'accord, bon, ok. Je sais pas le monsieur qui te l'a vendu, t'as dit ça? D'accord, ok. Alors, bon. Ici c'est. Vous devez reconnaître. Comment il s'appelle? Dobby. Oui. Dobby, il est où? Ici c'est mon papy qui me l'a trouvé, c'est hyper lourd. Alors c'est un caillou très rare. Mm-hmm. Dobby. Il est trop beau ton caillou. Ça c'est mon nounou. Il sent la fraise. Toy Story qui sent la fraise. Ça c'est des peluches que t'as depuis que t'es toute girafe petite. Et non, ça. Ça je l'ai. Attends, Owen, arrête de toucher à tout. C'est pas possible.
Alors, ma caméra parce que j'ai encore un petit peu peur la nuit. Oui, bah déjà Mila pour parce qu'elle a encore un peu peur la nuit et surtout parce que à l'âge de Mila, moi j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie et ma maman me surveillait avec des caméras, avec une caméra pour quand je faisais des crises. Donc voilà, j'ai ce réflexe de garder ça le temps que l'âge des crises d'épilepsie qu'on peut avoir quand on a l'âge de Mila. Bref, le type que moi j'ai eu, le temps que ça passe. Donc concrètement, c'est ce meuble que vous voyez là. Alors là, vous avez du coup tout ce qui est accessoires à Mila, toutes ses culottes, etc. Ici, on a des casquettes. Un petit chapeau, il est un petit peu trop grand. Là, par exemple, on a tes lunettes. Donc, beaucoup, beaucoup de lunettes de soleil. Ça, ce sont mes préférées. Moi, j'adore celles-là. Ouais, elles sont très jolies, c'est Stella McCartney. Et puis, également, on a des petites bagues. Des petites bagues, etc. Tout en bas, t'as tes sacs, par exemple. Et mes... Oui, là, il y a tout ce qui est bandeau. Vas-y. Ben, montre. Hop, sac. Des sacs. Avec des petites chaussures d'H&M. Chaussures de princesse. Et puis... Là, c'est tout ce qui est bandeau, etc. Les et oreilles de Minnie et tout ça. C'est un peu le bordel. Et mon Pikachu de oui. Mon anniversaire. Je l'ai gardé. Donc ça, c'était pour ce meuble. Et comme on vous a dit, il y a tout ce qui est chaussures dedans, culottes, sous-vêtements, enfin bref, la totale. Ensuite, on arrive au lit. D'ailleurs, le lit vient de chez Confo, pour ceux qui se demanderaient. Vient de chez Conforama. Je vais vous montrer tous mes doudous. Alors... La chouette d'Harry Potter. Ah oui. Papa. Pampan. Pampan. Alors... Pampan, c'est... Pampan, non. Tindy. Ça, c'était deux doudous de quand elle était tout bébé, qu'elle a toujours, qu'elle garde encore. Ça, c'est le doudou que mon papa, quand il était bébé, il avait. Oui, en fait, il en avait deux. Il avait celui-là et un autre. Et Owen dort avec l'autre et Mila a celui-là. Parce que celui-là, il est fragile à son cou. Voilà. Celui-là, je l'ai eu à Disney. Ok. T'as eu ça à Disney? Quand j'étais partie avec Tati. Ah, d'accord. Et puis ça aussi, j'ai eu à Disney. Ça, je pense que tu l'as eu la dernière fois qu'on y est allé. Oui. Il me semble. Ouais. On l'a eu en cadeau par Disney. Et la housse de couette de Mila, pour ceux qui se demanderaient, qui est très jolie. Les draps de lit, etc. Ça vient de chez Verbaudet. Je peux montrer ça. Oui. Avec le coquillage que j'ai eu. Je me souviens plus. À Biarritz. Je pense que celui-là, il vient de Biarritz. Non, c'était pas à Tahiti, c'est à Té. Moréa? Je pense que c'est un montre. Ouais, je pense que celui-ci vient de... Moréa. De Moréa, tu crois? Oui. J'ai un doute. Bon, bref. Et puis ici, mon petit mouchoir. Oui. Quand elle doit se moucher. Ensuite, on arrive au dressing. C'est là-dedans qu'il y a le plus de bazar tout le temps parce que Mila, elle prend un pull, elle retourne les 15 autres pulls de l'armoire. Elle prend un t-shirt, elle retourne tous les t-shirts de l'armoire. Alors, le plus d'affaires, c'est là et là. Ensuite, on arrive aux jolies étagères ici avec... Je vais vous présenter tout. Plein de petites choses. Ici, c'était une lampe, je crois. Oui, c'est des lampes qu'on n'a jamais fait fonctionner, mais qu'on a utilisées en déco. Mes poupées de Disneyland, on a toutes les poupées. Petites princesses, elles sont trop jolies avec des petites paillettes comme ça. Trop mignon. Ensuite... Et puis, on a le petit cerf. C'est Sego qui te l'a fait, c'est ta tati. Ah, alors ça... C'est les objets en verre qu'on a achetés sur les brocantes. Alors, ça, ça vient de Tahiti. Ouais. Si, ça vient de Tahiti, sûr. Poupées. D'ailleurs, c'est noté dessus. C'est toutes des choses normalement qu'Owen il peut pas toucher parce qu'on a peur qu'il lui casse. Et là, forcément, vu qu'il est là, il veut regarder. Ça aussi, c'est un objet. Fais doucement, loulou. C'est un objet en verre qu'on a acheté sur une brocante. Alors, ça je l'ai depuis très longtemps. Je suis toute petite. Ouais. On l'avait offert quand j'étais toute petite. Ça, c'est une tirelire que. Ah, bah si, j'avais mis 1 euro. Il n'y a pas grand chose dedans. Alors ça c'est une deuxième lampe. Après on a l'étage en haut. Alors ici c'est Peppa Pig, mon ami. Encore une Tirelli. Passion Tirelli pour Mila, vous voyez. Une deuxième poupée, ouais. Alors ça c'est tous mes trucs en verre. Mm-hmm. Ça c'est ma tour Eiffel que j'ai eue à une brocante également. Oui. Ça c'est une poupée qui vient de Tokyo que j'ai achetée... Il y a très très longtemps maintenant. Mila, ça c'est des créateurs qui nous ont fait ça. Ça on va pas le descendre parce que vous l'avez déjà fait tomber une fois.
C'est maman qui l'a fait. Donc ça d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sur ma chaîne qui s'appelle Roxane sur YouTube, vous avez le DIY pour le réaliser. Ça prend pas très longtemps, c'est trop mignon. Et ensuite, bah là, on a ton portrait de quand t'étais plus petite qui a été fait par une demoiselle qui s'appelle Lorraine Grisot, que vous pouvez retrouver sur Instagram et qui fait, voilà, qui fait des trucs mais trop jolis. Ensuite, on a d'autres petites décos. Bon, il n'y a pas grand chose de spécial à dire. Ensuite, en bas, t'as tes livres. Et ça c'est un de mes préférés. Oui, ça c'est un de ses préférés forcément. Il y a tous les Pokémon. Il y a tous les Pokémon dedans. Où il y a des histoires également. Alors je vais vous montrer ma page préférée. Une minute. Faut que je la trouve, elle est un petit peu loin. Pendant ce temps-là, je vous montre la maison de poupée là qui est trop jolie, mais je ne sais plus. C'est la marque, voilà, normalement ça se met comme ça. C'est la marque Little Dutch, qui est très très jolie maison en bois. J'ai trouvé ma page préférée. Ok. C'est la page des évolutions des volis. Volis, trop mignonne. Voilà, on a un peu fait le tour. Et on finit par la lampe que Mila met tous les soirs parce qu'elle ne supporte pas de dormir dans le noir. T'as aussi ta peluche Pikachu. Oh, yeah. Et le zèbre. Alors, devinez qui me l'a offert. Je sais plus. C'est mon père. Ah oui, c'est papa qui l'a acheté, ouais. Il a une petite Il est trop doux, c'est ça que t'allais dire? Il est super doux. Donc voilà, vous avez une vue d'ensemble comme ça de la chambre de Mila. Bah forcément, elle grandit, donc il y a de plus en plus de choses. Là aussi, il y a son panier à linge. On a oublié quelque chose. Ah, le cadre. Le cadre, c'est l'ancien cadre que j'avais dans ma chambre et que j'adore, que je trouve magnifique. Enfin, j'aime beaucoup ce que ça représente. Il me semble que ça vient du site Unique. Voilà, la mer, le sable dans les tons rose et bleu, je trouve ça magnifique. Voilà, voilà pour la chambre de Mila. N'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi la chambre d'Owen, version peut-être présentée par Owen. Ça va être un peu compliqué, mais ça peut être drôle. Ta partie préférée? Tes doudous, tes peluches? Ok. Et sans oublier cette partie-là, qui est juste derrière. Ça, c'est pas ta chambre, c'est la salle de jeu. Non, non. Je parle de cette partie-là. De moi? Ah, t'es trop gentille, t'es trop mignonne. Et de cette partie-là. De cette partie-là, regardez bien. De cette partie-là. Bon, j'avais besoin d'une bonne douche. En fait, j'avais mes cheveux surtout qui étaient sales. Et je suis toujours pas allée chez le coiffeur. J'ai toujours pas pris mon rendez-vous. J'arrête pas de dire aujourd'hui je prends rendez-vous. Et en fait, j'ai pas encore pris rendez-vous. Faut vraiment que j'aille me refaire des mèches blondes. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux qui... se dégueulasse très très vite, qui graisse très vite, et quand je fais mon ombré blond, eh bien ça m'enlève ce truc qui graisse trop vite en racine, donc j'arrive à avoir les cheveux propres quasiment une semaine, là je vais aller laver 3 fois par semaine quoi, c'est trop, j'abîme le reste de mes cheveux en fait. Là je vais vite fait me maquiller très rapidement parce qu'il fait chaud, donc j'ai pas envie de maquiller beaucoup, et je vais aller faire la chasse aux fournitures scolaires. Vous verrez ceci dans une prochaine vidéo. Donc en fait aujourd'hui je filme deux parties de vidéo. Je filme celle que vous venez de voir et je filme une vidéo spéciale avec les fournitures scolaires. Je trouvais ça plus intéressant d'avoir ça dans une vidéo où je vous montre vraiment les cartables que j'ai pris, les fournitures qu'on a besoin pour l'école, les choses que je vais racheter pour ma rentrée à moi, parce que oui, moi aussi j'ai droit à mes petites fournitures de rentrée scolaire. Voilà, donc je vous fais une vidéo spéciale pour ça, elle arrive très très prochainement vu que je la filme, comme je vous ai dit, aujourd'hui également, donc si c'est pas la prochaine ce sera celle d'après, enfin bref, elle arrive vite. Aujourd'hui je vais peut-être tester ça, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain. Si je le fais demain, dans tous les cas je vous montrerai. J'ai très très hâte de tester, en même temps ça me fait un petit peu peur. J'ai acheté ça, donc ce n'est pas du tout une collaboration, hein. Sachez que quand il y a des collabs dans les vlogs, déjà c'est toujours noté en haut de la barre d'infos, et en plus de ça je le dis en début de vidéo, mais pas du tout. J'ai acheté ça sur j'ai commandé ça sur Amazon. C'est un masque noir, vous savez, comme peeling en fait, qui vient vraiment faire une couche qui se tire, qui est censé tenir très fort. J'ai vu des gens, c'était un peu dramatique parce que elles le faisaient sur tout leur visage, elles s'arrachaient les poils, etc. du visage, tellement c'est hardcore.
Donc moi c'est pas du tout le but, j'ai surtout des points noirs sur le nez, quasiment que là d'ailleurs. Et du coup j'avais envie de tester sur mon nez, mais pour le moment mon nez est un peu sec, voyez-vous. Donc j'ai un petit doute, je pense pas que ce soit la bonne période. Donc je vais peut-être attendre, bien réhydrater ma peau de 1 ou 2 jours et le faire ensuite. Je sais pas si je vous avais déjà montré ça quand j'utilise, c'est la CC Crème Soin Illuminateur pardon, du visage haute définition perfecteur de peau claire de chez Herborian, qui est une marque coréenne de soins, etc. pour le visage, enfin bref, de soins, même de make-up. Ça ressemble à ça quand vous l'avez sur la main. Hop, voilà, avec des petits grains dedans. Je sais pas si ça se voit bien, j'espère. Et en fait, quand vous venez commencer à l'appliquer sur votre peau, eh bien, oui, c'est très bizarre comme ça, mais vous allez voir, ça se transforme en couleur, enfin en truc un peu teinté. C'est très bizarre. J'adore cette marque Herborian. Vous voyez la différence ou pas? C'est un peu rosé. J'adore ce soin, j'adore la marque. Enfin bref, ils font que des trucs trop bien. J'adore les crèmes de jour, de nuit, de tout ce que vous voulez. J'aime trop cette marque. Je trouve que ça fonctionne trop bien. Vous voyez la différence ou pas? Alors qu'on dirait que j'ai mis une... Enfin, c'est comme une crème en fait. En plus, il me semble qu'il y a un truc soleil. Ouais, c'est ça. SPF 25. Je vais mettre ça, mais je trouve ça moche en fait. Alors, quand j'ai en tête à mettre ce truc, il faut que je le dégage. C'est le truc Dior là. Mais en vrai, c'est laid. Regardez-moi ça. Franchement, ça n'a pas de sens. Donc il y a des trucs comme ça, mais je déteste jeter du maquillage qui est encore bon. Je vais pas jeter dans la poubelle et en même temps, j'ai personne à qui donner ça. Enfin, je veux dire, si moi je le trouve moche, il y a d'autres personnes qui le trouveront moche, donc je vois pas l'intérêt de le donner à quelqu'un. Ah, c'est un peu panpin ça par contre. Ça, c'est les trucs typologie. Vous pouvez les mettre sur les joues, sur les lèvres. Sur ce que vous voulez. Et celui que j'ai choisi est un peu orange fluo. Alors, je vous reprends beaucoup plus tard parce que du coup, j'ai filmé ma fameuse vidéo Back to School, enfin une partie en tout cas. Là, on vient de sortir d'Auchan. Je suis passée chez Pizza Pie. J'avais trop faim. Je me suis pris une sorte de mini pizza et je me suis pris à boire. Emila, pareil, elle est derrière moi. Alex est avec Owen. Alex, il devait récupérer ses voitures, vous savez, ses voitures de collection anciennes là. Au garage parce qu'il y avait des choses à refaire et du coup il devait les récupérer aujourd'hui et donc il a pris Owen. J'aime pas du tout le Pepsi. Oh, j'aime pas du tout. Surtout quand il est pas hyper frais, c'est immondissime. Oh. Il y a un arrière-goût qui me fait penser à des médicaments. Il y a que quand il est extrêmement froid que j'aime bien autrement. Ça par contre, c'est pas l'air mauvais du tout cette histoire-là. Ah bah tu l'as déjà défait. Bah en fait, il y a deux parties, donc elle a pris l'autre partie. Et je sais pas si vous aviez ça, je sais pas quel âge vous avez en me regardant là, mais je ne sais pas si vous aviez ça quand vous étiez jeune. Ça se faisait énormément, les bijoux qui changent selon l'humeur, soi-disant, qui marchent avec la chaleur d'après moi du corps. Là, il est bleu marine. Et si je le touche un peu, il fait très très chaud dans la voiture, il fait genre 33 degrés là, c'est horrible. Bah tout de suite il change de couleur là, il est un peu plus bleu ciel et Bleu voilà. ciel, alors bleu ciel c'est calme. C'est calme. Et bleu foncé, ça veut dire envie de jouer. Envie de jouer? Jouer. Non mais là c'est enjouer. Enjouer. Enjouer, ça veut dire pleine de bonne humeur et pleine d'entrain. Ça veut dire quoi, entrain? Pleine d'entrain, ça veut dire pleine de motivation. Bah, c'est ce que je suis maintenant. Ouais. Tu m'as pas beaucoup aidé pour mettre les courses dans la voiture quand même. Motivée! Et je vous avais dit la semaine dernière que je devais racheter ça. Je suis passée à Voilà Ikea mes nouveaux vêtements. il y a quelques jours. Voilà mes nouveaux vêtements. Allez, mets la chaise là-bas. Et du coup, je les ai pris en blanche. Parce que c'est bien pour l'extérieur pour eux manger, puis même à l'intérieur quand ils ont envie de manger à deux comme ça. Je trouve ça chouette. Bon, le problème c'est que les assiettes sont plus à portée du chien, ça c'est un souci. Roxane ne vous a pas encore montré ma voiture. Ils n'ont jamais vu ma voiture. YouTube, je sais pas. Les gens qui nous suivent sur si, YouTube, je crois. vous? Non, je pense pas. Vous l'avez vu sur Insta, mais pas sur YouTube.
Le bébé d'Alex. Le bébé orange d'Alex. Le bébé qui a quand même 1969. Donc c'est un peu plus vieux quand même. C'est plus, ça a plus l'âge d'être ma mère. En fait. Pour être ma mère.